26 et 27 novembre 2016, c'était les 10 ans du TGS, et pour l'occasion, nous avons eu le plaisir d'accueillir Monsieur Anthony Daniels, à savoir l'incontournable C3PO de la saga Star Wars. Ce fut un réel plaisir de pouvoir le rencontrer en personne afin de lui poser quelques questions et d'en savoir plus sur sa rencontre avec Monsieur George Lucas. Rencontre avec un incontournable de la science-fiction, c'est parti. Au premier, je ne veux pas faire rencontre avec George Lucas. Oui. Parce que je ne suis pas intéressé, pas du tout, dans les science-fiction. Et j'étais sur la scène, centre-ville à Londres, et je suis acteur, avec un visage, les vêtements normaux, etc., de Shakespeare, etc. Et mon agent a dit, il y a un mec américain, George Lucas, hein, il a fait un petit film, etc. J'ai pas vu. Et j'ai dit, elle a dit, science fiction, pas beaucoup de monnaie, oui. Un robot, pas de visage. J'ai dit non. Elle a dit quoi? J'ai dit non. Elle a dit stupide. Va-t'en. Allez-vous. Donc, je suis dans un bureau avec. Oui. Enfin, j'ai fait rencontre avec George. Il est très charmant, très simple. Mais je ne suis pas intéressé. Mais quand il parle, j'ai vu un dessin du caractère sur du le mur. Oui. Du personnage. J'étais enchanté. Enchanté. Soudain, j'ai fait contact les yeux avec le dessin. J'adore. J'adorais. Et maintenant, je suis intéressé. Deuxième jour, j'ai lu le script. Très, très compliqué. Très, très compliqué. Le film était. Enfin, c'était compliqué, mais sur la page. Wow. Ben, il a surtout réinventé un petit peu. Il a réinventé la manière de filmer. Donc, c'était plus oui. du tout la c'est, même façon. C'était oui. pas du cinéma traditionnel, on va dire. Oui. Je crois qu'il y a du monde qui pense seulement de Guerre des Étoiles. Ah, attends, j'arrive. George a fait un très, très grand succès avec le film, le Guerre des Étoiles, mais vraiment, il a changé le tournage de tous les films après. Oui, absolument. Ouais. Eh bien, j'ai lu le script, j'aime beaucoup. Troisième jour, j'étais au studio, presque toute nue, et les deux ouvriers me jettent du plâtre sur mon corps. C'était dégueulasse. Et après, on a fait un mannequin de mon corps. Oui. Ouais, c'est pas joli. Après, Lismore a fait avec du boue clé, on a fait des images comme ça. Ça dure 6 mois pour faire la figure. Ouais. C'était donc toute une aventure. Alors, du fait, vous avez été présent à l'affiche de tous les films Star Wars oui. depuis les débuts. Oui. Avec Kenny Baker, vous êtes les seuls à être apparus dans tous les films. Oui. Du coup, en 1997, vous êtes revenu avec une nouvelle trilogie, l'épisode 0, l'épisode 1. Qu'est-ce que ça vous a fait de passer justement, de changer encore de technologie, de passer devant des écrans verts? Oui, c'est difficile. L'écran vert, l'écran bleu sont très utiles. Mais si on fait trop avec les couleurs comme ça, oui. sans pièce de scène, ça diminue oui. L'essence, l'esprit de la scène. Mais George Lucas encore a poussé la frontière du tournage des films. Oui. Et il faut être grateful, il faut dire bon. Il faut le remercier. Oui, oui parce qu'encore il a changé les méthodes de faire les films. Il a réinventé le cinéma oui. moderne. Oui, c'est oui. ça. Mais peut-être, et les jeunes gens aiment beaucoup les 1, 2, 3, etc. Mais c'était bizarre parce que si je fais voler, si je vole qu'une chaise comme ça, oui. après,
quand j'ai vu le film, je suis dans un vaisseau spatial, etc. C'était différent. Oui. Maintenant, avec épisode 7, oui. Et bien épisode 8, il faut attendre. Nous avons des grandes pièces. Vraiment, c'était étonnant. Moi, je suis quand même un enfant. Waouh, zut alors, c'est oui, fantastique. Le réalisateur est revenu oui. vraiment oui. au décor, au oui. vrai décor. Oui. C'était super. Ça se voit. Alors, on va terminer cette interview par une dernière question. Est-ce que vous avez le mot de la fin? Croyez-vous que, comme nous avons fait le premier film, épisode 4, A New Hope, c'est qu'un film, un film seulement. Mais soudain, quand les gens ont vu le film, ils ont dit, oh, c'est superbe, c'était superbe. Et vraiment, tous les fans, ils montent. Et donc, on fait le deuxième, le troisième. Oui. Maintenant, on approche le neuvième. Oui. C'est parce que les fans sont là. Oui. Et moi, je suis plein de gratitude. Je veux dire merci à tout le monde pour le support. Vous êtes là tous les jours. Et tous les jours en futur, la force avec les fans, la force soit avec moi et avec eux aussi. En tout cas, on va vous remercier, nous, d'être venus ici à Toulouse, de nous avoir, d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation du Toulouse Game Show. D'être venu passer ces quelques jours en notre compagnie, c'est un véritable privilège de vous recevoir. Merci beaucoup.